Est-ce que tu te souviens de ce son? Pratiquons ensemble. Voici les mots que tu as entendus avec le son O. Saute, autobus, vélo. Prends un moment pour taper dans tes mains le nombre de syllabes. N'oublie pas, une syllabe est une partie d'un mot, souvent avec deux ou trois sons. Tape dans tes mains avec moi pour identifier le nombre de syllabes dans le mot. Saute, saute. Il y a une syllabe. Autobus, autobus. Il y a trois syllabes. Vélo, vélo. Il y a deux syllabes. Il est temps pour toi de devenir un détective de sons. Chacun des mots a le son pour O. Tu dois déterminer où dans les mots tu entends le son O. Comme stratégie, dis le mot avec moi et compte les sons sur tes doigts. Par exemple, le mot rose a trois sons. Tu peux aussi regarder ces espaces et les suivre avec ton doigt. Pour rose, mon doigt a touché cet espace. Le son pour O est donc au milieu du mot. OK, les détectives de son. Allons-y. Mot. Mot. Le son de O est à la fin du mot. Cône. Cône. Le son de O est au milieu du mot. C'est le deuxième son du mot. Zéro. Zéro. Le son de O est à la fin du mot. Robe-o. Robe-o. Le son de O est le deuxième et la dernière son du mot. Pour terminer, tu dois identifier les rimes. Les rimes sont des mots qui ont le même son à la fin d'un mot. Pour savoir si les mots riment, écoute attentivement à la fin du mot. Par exemple, quel mot rime avec piano? Est-ce que c'est papier ou est-ce que c'est domino? C'est le mot domino. Piano et domino ont le son O à la fin. Trouvez le mot qui rime avec chaud. Est-ce que c'est le mot chat ou mot? C'est le mot mot. Chaud et mot se terminent avec le son O. Trouve le mot qui rime avec jaune. Est-ce que c'est le mot noir ou cône? C'est le mot cône. Jaune et cône se terminent avec les sons aune. Bon travail, détective de sons. Cherche maintenant à gauche et à droite
des mots avec le son « au ».